Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession, où aujourd'hui je voulais vous parler de la dernière nouveauté de PFX Circuits, PFX, donc une marque française qui s'était déjà illustrée par d'excellentes fuzz. Je vous avais notamment présenté leur Facebender qui était absolument excellente et qui se sont ensuite penchés plus récemment sur des overdrive, une série d'overdrive où les noms sont quand même un thème assez clair. Il y a d'abord la Julius qui est une overdrive plutôt légère. Ensuite, il y a la Brutus qui est une overdrive nettement plus épaisse sur les épaules. Une overdrive marshallesque, hein, tout simplement, à la limite de la disto, voire de la grosse disto. Et voilà donc la dernière de la série, Nero, ou Néron pour les intimes, qui est là carrément une distorsion métal. Alors, Néron, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était donc le dernier de la dynastie julienne, Julius, enfin de la dynastie de César. Et c'était donc un empereur romain qui a vécu au tout début de notre ère, comme on dit. C'était le premier, d'ailleurs, historiquement, à persécuter les chrétiens. Et c'est un empereur qui est peu recommandable, hein, finalement, qui a fait exécuter sa propre mère et qui a regardé Rome brûler en déclamant des vers. Voilà une reconstitution, par exemple. Voilà Rome, hein, ça brûle. Et puis lui, oh rage, oh vieillesse ennemie, oh les amis de ma femme, tout ça. Enfin, c'est un sale type, quoi, finalement. Hein, d'autant plus que, selon une rumeur persistante, c'est lui qui avait fait le feu en question pour revoir l'urbanisme de Rome, ce qui est quand même une manière un peu cavalière de revoir un urbanisme. Bref, c'est donc un nom parfaitement adapté à une pédale qui brûle tout sur son passage, une grosse disto métal comme on les aime, ce qui est en plus un domaine qui a été très peu exploré dans le catalogue des marques d'effets boutique, donc on ne peut que applaudir des deux mains, mal, hein, puisqu'il y a une pédale entre les deux, l'initiative de PFX que de développer en plus, en partant de zéro, un circuit pour retrouver ce gros son métal qu'on adore et qu'on retrouve plutôt avec d'énormes stacks par ailleurs. L'énorme stack en question, justement, dont PFX s'est inspiré pour la Nero, c'est un Diesel VH4. Alors, Diesel, c'est une marque allemande qui est arrivée donc en 1992 avec le VH4. Une énorme tête, une tête 100 watts avec 4 lampes de puissance KT77, donc de quoi bien péter l'oreille. Et avec la bagatelle de 24 boutons en face avant, je les ai comptés. Et ça fait quand même beaucoup, hein, de boutons pour régler un ampli. C'est un ampli qui s'est vite imposé comme le nouveau standard du high gain des années 90, après le règne du JCM800 et du Soldano SLO100, qui étaient vraiment les amplis de la fin des années 80. Là, le VH4 est arrivé et a remis un coup de pied dans la fourmilière. C'est un ampli qui a été utilisé par Metallica, par Tool, par les Smashing Pumpkins et par des centaines d'autres. Au point que Diesel en a proposé sa propre version pédale, la Diesel VH4 tout simplement, qui a deux versions, et qui est quand même une pédale, alors d'une part qui prend beaucoup de place sur un pedalboard, d'autre part avec pas moins de 9 boutons, et puis avec son alimentation spécifique que si tu l'oublies, bah t'es niqué. Alors évidemment, c'est pas ça qui va nous empêcher de l'utiliser, sauf que en plus de ça, eh bien, la Nero non seulement reprend ce son, mais propose sa propre version, puisque c'est un circuit qui a été vraiment spécifiquement développé par PFX, avec pas moins de 5 étages de gain, et un silence de fonctionnement absolu, même avec un système comme le mien, qui est pas forcément très discret, puisque j'ai des micros qui ne sont pas waxés sur ma Trini Lopez, donc a priori pas idéal pour du high gain comme ça, et pourtant ça marche même très bien, comme vous allez pouvoir le constater. Moi c'est un grain que j'adore, parce que c'est pas non plus djent moderne, où il n'y a plus aucune dynamique, il se passe quand même des trucs, ça remue quand même au niveau de l'estomac, il y a du poil, enfin c'est tout ce qu'on aime. Et les 4 boutons sont hyper bien pensés, évidemment beaucoup plus simples d'accès que une pédale comme la VH4. Donc on a le gain et le volume, ça jusqu'ici on connaît. Le high cut,
qui équipait déjà la Julius et la Brutus, mais qui a été revoicée pour être adapté à la Niro. Donc le high cut, en l'occurrence, c'est un filtre qui va progressivement calmer vos aigus les plus agressifs, et un réglage de contour. Alors le réglage de contour, pour moi, c'est un peu une madeleine, puisque quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un Marshall Valve State 80-40. Je rêvais même pas du 80-80, celui-là, c'était l'Annapurna, mais le 80-40, sur son canal de disto, avait un réglage de contour. Et moi, je trouvais ça trop bien, parce que ça permettait immédiatement d'avoir un son à la Pantera super flatteur. Je n'ai jamais eu de 80-40, et c'est un des grands traumatismes de mon existence de guitariste. J'ai eu un Peavey Envoy qui, lui, n'avait pas de réglage de contour, et évidemment, c'était moins bien. Mais donc là, je retrouve ce réglage de contour qui est en fait une sorte de médium, mais qui agit aussi sur les graves et les aigus, c'est-à-dire que à zéro, vous avez un son en V, ultra charpenté, avec des graves énormes et des aigus bien tranchants, et des médiums quasi inexistants. Et puis, au fur et à mesure que vous le montez, ça booste les médiums et ça calme le reste. Pour bien faire ressortir un solo, par exemple, c'est idéal. Donc, en gros, on passe de grosses rythmiques à grands solos et toutes les nuances intermédiaires. C'est donc une pédale de grosse disto, ce qui, comme je vous le disais, est rare dans le domaine boutique. Pour ne rien gâcher, elle est absolument magnifique. La sérigraphie a été réalisée au laser par PFX, c'est pas un sticker. Et au-delà de ça, donc, c'est vraiment un modèle qui mérite toute votre attention sonore, tout de suite. Thank you.
Voilà donc ce qui se passe quand on brûle Rome de façon sonore. Ça donne la PFX Nero. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre recette secrète de gros son high gain. On en a tous une évidemment. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Si vous êtes encore là, a priori, c'est qu'elle vous a plu. Donc allez-y, allez-y. Un petit like, un petit subscribe et sonnez la petite clochette discrètement. Et si vous voulez soutenir la création de ces vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire à mon Patreon. Les 10 premières pédales vendues sur le site PFX auront un golden ticket dans l'une de ces 10 premières, c'est-à-dire que la LED sera verte au lieu d'être orange, et ça veut dire que vous pouvez contacter PFX pour avoir un bon d'achat de 100€ sur toutes les pédales de la gamme, ou vous faire rembourser 100€ sur la Nero. J'aime bien ce côté, genre peut-être c'est la tienne, peut-être pas, mais en tout cas c'est une possibilité qui existe. Et finalement, est-ce que la vie, ce n'est pas une possibilité qui existe ? Bonne semaine.